Je voudrais avant tout vous remercier d'être présent cette année encore, dans des conditions évidemment particulières, pour participer au Jérusalem Ethics Forum. Et je voudrais tout de suite parler de l'importance de ce forum. Si le monde financier et économique a un rendez-vous annuel à Davos, eh bien, nous voulons l'équivalent pour tous ceux qui s'intéressent aux enjeux éthiques dans ce forum, dans ce monde qu'on va appeler algorithmique, et ainsi aussi en mémoire d'un de mes très bons amis, le très cher et le très regretté Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Je voudrais d'abord remercier, bien sûr, Bruno Cohen, sans lequel nous ne serions pas là, et puis les intervenants et l'objet de la table ronde. D'abord, le professeur Arnold Münnich, tout le monde le connaît, c'est un des plus grands généticiens. Il dirige l'Institut Imagine à l'hôpital Necker à Paris. Il a joué un rôle important dans notre pays en créant les instituts hospitalo-universitaires. Le professeur René Friedman, gynécologue spécialiste de la médecine de la reproduction, notre plus grand modèle, j'ai envie de dire, de cet homme qui a su tellement bien défendre à la fois les premières lois de bioéthique et également cette spécialité. Il travaille à l'hôpital Foch à Suresnes. Et puis Jean Leonetti, cardiologue, ancien ministre, maire d'Antibes, et qui est certainement l'homme politique en France et en Europe qui a le plus réfléchi sur la bioéthique et est à l'origine de la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. Le débat sera animé par Brigitte Fanny Cohen, journaliste, spécialiste des questions de santé. Et ce débat va s'articuler une demi-heure sur le sujet relatif à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre et par ailleurs aux autres défis éthiques qui concernent plus spécifiquement les sujets de mes collègues et de mes amis. Brigitte, vous avez la parole. Merci, cher Philippe. Alors, à mon tour, peut-être de vous présenter, puisque vous avez eu la gentillesse de présenter tous les intervenants. Tout le monde vous connaît, mais je dirais quand même que vous êtes médecin, ancien ministre, président du fonds unisien Unit Life. Et j'aimerais le souligner, puisque l'actualité, nous allons en parler, l'auteur de ce livre très percutant qui vient de paraître, La maladie française, pandémie, et pourtant tout avait été préparé par le professeur Didier Raoul, c'est aux éditions de l'Archipel, et vraiment je conseille à tous ceux qui ont envie de comprendre cette crise sanitaire de lire votre livre. Donc cette crise sanitaire qui soulève un certain nombre de problèmes d'éthique incroyables, une avalanche de questions, nous allons en examiner quelques-unes. Je vous demanderai de répondre
de façon pas trop longue afin que nous puissions examiner le plus de questions possibles. La première, je vais faire référence à votre livre, cher Philippe. Vous dites « Cette crise aura été révélatrice aussi d'un grave dysfonctionnement de la communication scientifique. » Ce sont vos mots. « L'éthique n'exigeait-elle pas dans cette période que les scientifiques, peut-être plus sereinement le public, au lieu de se livrer une bataille d'ego comme on l'a vu sur les chaînes de télévision et dans la presse ? Vous êtes médecin, vous êtes tous scientifiques, pensez-vous ?» D'abord, c'est vrai que ce sujet est un sujet très d'actualité parce que nous sommes dans un monde de l'immédiateté de l'information. Et en particulier, c'est la première fois qu'il y a une épidémie après l'avènement, au fond, des chaînes à information continue. Et donc, ce qui est vrai à 10 heures du matin n'est plus vrai à 15 heures. C'est le monde de l'émotion, c'est le monde du blanc ou du noir, du rire ou du pleur. Mais les différents sujets qui pourraient être un peu plus raffinés dans les discussions ou dans les réflexions n'existent pas. Et donc, c'est dramatique parce que la science, c'est exactement le contraire. Et donc, en science, on tâtonne, surtout devant une maladie que l'on ne connaissait pas, comme la COVID-19. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a eu, devant, au fond, des millions de personnes, des discussions scientifiques qu'ils n'ont pas toujours comprises. Et c'est là une vraie question de savoir qui gouverne, au fond. Est-ce que ce sont les médias, avec une information continue qui en chasse une autre, avec l'envie de faire de l'audience? Je rappelle que cette maladie fait entre 0,5 et 1% de mortalité. Je rappelle quand même qu'il y a un enfant qui meurt du paludisme toutes les 2 minutes sans qu'il n'y ait pas un seul journaliste qui nous pose la question depuis plus de 30 ans. Et donc, oui, il y a un sujet là et on ne voit pas quel est, au fond, l'homme politique qui prendrait le risque de dire « je préfère qu'il y ait des morts et que mon pays fonctionne économiquement ». Bon, on en a vu une partie d'ailleurs sur la planète et on a vu ce qui leur est arrivé. Donc, je pense que c'est un vrai sujet, qui est un sujet médiatique important, qui n'est pas dû uniquement aux scientifiques, mais qui est dû au système lui-même. Jean-Léon, justement, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Philippe Douste-Blazy. Cette idée qu'il fallait confiner pour sauver des vies plutôt que l'économie, est-ce que cette idée, cette décision politique était avant tout une décision d'éthique ? L'éthique, c'est toujours un questionnement, comme vient de le dire Philippe. Donc, dans ce questionnement, il y a toujours, d'une part, la fragilité, la vulnérabilité qu'on veut protéger, et puis d'autre part, la liberté, l'autonomie. J'ai le droit d'aller et venir, j'ai le droit de ne pas mettre de masque, etc. Donc, ce conflit de valeurs qui est toujours à la base de tout débat éthique a été malmené, comme le dit Philippe, parce qu'il a été caricaturé, et qu'au lieu de dire qu'effectivement, on pouvait reprendre la phrase du président de la République, en même temps essayer de continuer à avoir une activité et une vie sociale, affective, économique, et se protéger. Et donc, c'est cette ligne de crête qui est toujours difficile, parce que la nuance n'est pas supportable dans le monde actuel, qui, comme vient de le dire Philippe, est un monde du pathos, de l'émotion, pas de la raison, et pas du logos, c'est un monde de l'immédiateté. On vous dit oui ou non, est-ce que vous pensez que la chloroquine est efficace ? Et celui qui dit, écoutez, les études sont contradictoires, ou bien je n'ai pas encore fait mon opinion là-dessus, apparaît comme quelqu'un qui est incompétent, alors qu'en réalité, il prend le recul pour essayer de donner une réponse avisée. Donc, je crois qu'effectivement, il y a un deuxième sujet qui est, est-ce que c'est la santé qui fait la politique ? Je pense que la politique ne peut pas se faire sans une préoccupation de santé publique dans une pandémie. Mais pour autant, la politique s'inspire de la santé, mais elle ne lui est pas directement liée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas non plus dans un monde d'experts. Parce que là, on est dans la médecine, et ça nous convient bien de dire que les médecins décident. Mais dans un autre domaine, est-ce que nous allons accepter demain que la démocratie
si justement ce débat, cette contradiction, soit confié uniquement à des experts qui viennent nous dire le vrai, alors qu'en réalité, on le sait, en médecine comme dans d'autres domaines, c'est le doute et la contradiction qui finit par aboutir à plusieurs vérités et pas à une seule. Alors justement, je reviens sur ce médicament que vous avez cité qui est au cœur d'un certain nombre de débats depuis plusieurs mois. Comment expliquer cette hystérie collective dont parle Philippe d'Houste-Blazy dans son livre, l'hystérie collective suscitée par l'hydrochloroquine qui va quand même jusqu'à la publication d'une étude fausse dans une des revues scientifiques les plus célèbres au monde? Comment expliquer ça? Enfin, je veux dire, vous êtes tous médecins, professeur Munich, comment vous avez vu ce débat-là, vous qui êtes médecin? C'est un débat quand même sans précédent. Vous n'aviez, je pense, jamais vu de débat aussi important sur, et aussi hystérique, il faut bien le dire, sur un médicament qui est dans le champ de votre compétence, par exemple. Oui, je voudrais d'abord remercier Philippe d'avoir insisté d'emblée sur la question de l'émotion, de l'immédiateté. Je crois qu'on est dans un conflit de temporalité. Le temps de la pandémie, de la propagation du virus, le temps du malade qui commence une forme grave, c'est le temps de la solidarité qu'on a connue, magnifique, en France et dans bien d'autres pays, avec les applaudissements à 20h, cet élan de soutien à et de générosité pour les infirmières. Bien, ce temps-là, qui est l'immédiateté, effectivement, face à l'agression virale, ce n'est pas le temps de la science. Donc, le temps de l'infection, de la pandémie, n'est pas le temps lent de la science, de la réflexion, de l'évaluation par les pairs, car quand même, le système d'évaluation par les pairs reste la règle dans les grandes publications scientifiques. Et tout ce temps-là est un temps extrêmement long par rapport à l'attente de réponses immédiates sur lesquelles ont insisté Jean et Philippe. Et le temps de la découverte est encore un autre temps. Voyez-vous, on a commencé à imaginer, Philippe rappelait les IHU, Didier Raoult est un des IHU français dont on est fier, IHU de Marseille. À l'IHU d'Imagine, on n'a pas fait beaucoup de bruit, on a seulement fait 3 papiers dans Science. On n'en a pas beaucoup parlé, pratiquement pas de presse, peu de radio, pas de télé, 3 papiers majeurs français dans Science, dont un en collaboration avec les Israéliens d'ailleurs. Et ces 3 papiers ont fait infiniment moins de bruit que le tapage médiatique autour de la chloroquine. Que montrent ces 2 papiers qui sont sortis d'Imagine, qui a une prédisposition génétique à l'infection par le Covid? Il y a 15% des formes graves du jeune qui sont des défauts de synthèse de l'interféron, et 15% qui sont des anticorps développés contre l'interféron. Donc, vous voyez, comme dans toutes les maladies, on commence par se lever un petit coin du tapis pour commencer à comprendre de plus en plus de choses. Mais ce temps-là, c'est un temps qui est long. L'évaluation est lente. Oui, mais qui ne correspond pas au temps médical. Pardon. Absolument. Ça technique. Ne correspond pas au temps des chaînes de télévision en continu. Exactement. Donc, on est battu à plate couture. Et quand Jean disait tout à l'heure qu'on paraît ringard, quand on hésite à répondre, il a absolument raison. Mais le scientifique est prudent. Le scientifique, par essence, il a un devoir de prudence et de réserve. Oui, mais ce n'est pas toujours ce qu'on a observé, justement, sur ces fameuses chaînes de télévision qui font de l'info en continu, puisque vous aviez quand même un certain nombre de vos confrères qui ont occupé du temps d'antenne pour parler de cette crise. Mais comme disaient Jean et Philippe, parce qu'on leur a tendu le micro. Je pense qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire « je ne sais pas ». Il faut être un grand savant pour dire « je ne sais pas ». Est-ce qu'il fallait refuser d'aller sur ces plateaux de télé? Est-ce que je peux me permettre de prendre la parole sur un sujet? En fait, bon, tant que… il faut être un grand sage pour dire non à un plateau de télévision, quelle que soit la personne. Mais au-delà de ça, si vous voulez, ce que je crois, c'est que vous avez posé 2 questions. La première sur l'hydroxychloroquine, et évidemment, Arnold a parfaitement répondu globalement sur le fait qu'il faut du temps et que l'observation, par exemple, c'est du temps. Il y a eu une question intéressante sur le plan éthique qui était de reprocher à Didier Raoult d'avoir dit que son médicament fonctionnait. Il a certainement dit
beaucoup trop fort et beaucoup trop tôt, ça c'est certainement vrai, mais on lui a reproché surtout de ne pas avoir fait d'études en double aveu. Et là, on est dans l'éthique. C'est extrêmement intéressant, comme pour le forum, de savoir est-ce que, dans une période de crise aiguë, on a le temps ou pas. Par exemple, M. Delfrécy, président du comité scientifique, à l'époque d'Ebola, je le rappelle dans le livre, avait dit « Non, bien sûr, dans une crise, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on ne peut pas faire ça. » Et là, en particulier, vers l'Ebola, le taux de mortalité est tellement… Malheureusement, il est toujours trop haut, mais il est assez bas, ce qui fait qu'il faudrait faire des études très longues avant d'avoir le résultat. Donc, ça, c'est un sujet éthique sur crise, épidémie, crise sanitaire et comment on essaie d'avancer sur le plan thérapeutique. La deuxième question que vous avez posée, c'est l'histoire du Lancet Gate. Alors, tous mes collègues ici lisent le Lancet, il y en a beaucoup d'ailleurs qui y publient, je pense en particulier évidemment à Arnold et à René. Nature, Science, c'est des très 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 grands chercheurs et c'est des très grandes revues et Lancet reste une très grande revue. La question est que dans une crise comme celle-là qui touche des milliards d'êtres humains, il y a deux enjeux qui sont des enjeux difficilement compatibles avec l'éthique, sauf quand on s'appelle Jean Leonetti. C'est l'économie et c'est le politique. C'est-à-dire qu'on a vu M. Poutine expliquer qu'il avait le vaccin, lui, avant tout le monde, évidemment complètement fou, et d'autre part, on a vu des laboratoires pharmaceutiques dire qu'ils avaient des médicaments qui marchaient très bien, on parlera tout à l'heure du vaccin de Pfizer, et qui, en l'espace d'une journée, d'une nuit, prennent 30, 40, 50% de valorisation boursière. Et ça, c'est un sujet qui est terrible, il faut le gérer rapidement, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre sur le plan éthique ce genre d'enjeux politiques et économiques qui ne vont pas du tout, qui sont absolument contraires à la science. Parlons-en tout de suite, si vous le voulez bien, parce que c'est l'actualité. Les effets d'annonce, il y en a eu un récemment, c'est l'annonce de Pfizer qui dit que son vaccin est très prometteur, mais les études ne sont pas complètement terminées, ce vaccin n'est pas sur le marché. Déjà, est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer dans une telle situation de crise que tous les labos travaillent ensemble pour trouver une solution plus rapide au lieu que chacun cherche de son côté le vaccin qui va leur rapporter effectivement cette valorisation boursière dont vous parlez et un maximum de profit. Est-ce que sur le plan éthique, ce n'était pas envisageable ça? Brigitte Fanny Cohen, je voudrais intervenir sur la question précédente avant d'aborder celle-là qui se tient. L'analyse que je crois, c'est qu'on avait quatre piliers de la fausseté, c'est-à-dire de l'erreur qu'il ne faudrait pas répéter à la prochaine pandémie parce qu'il y en aura d'autres. La première, elle est bassement humaine, c'est des problèmes d'ego, de personnes qui affirment les choses sans être, comme le disait Jean Leonetti, dans le doute scientifique alors qu'ils le sont et qu'ils ont la blouse blanche pour cela. Mais ça, disons que c'est courant, ça a toujours été comme ça, et on a vu des erreurs scientifiques. Je vous rappelle ce médecin qui coloriait ses souris avec des taches noires en disant qu'il avait fait des greffes de peau. Enfin, je veux dire, les malversations scientifiques, ça a toujours existé. Vous en avez beaucoup parlé, vous qui êtes une média, on va dire, le rôle des médias. Alors, c'est vrai que les médecins sont sans doute invités à tour de bras, mais qui les invite et pourquoi on les invite? C'est-à-dire que puisqu'on se pose des questions d'éthique, je pourrais vraiment, moi, me poser la question, quelle est l'éthique qui mène les médias à vouloir absolument faire le buzz, à ne jamais revenir sur ce qui a été dit 3 heures avant et à jamais analyser ce qui est la véracité, ce qui ne l'est pas? C'est quand même une des rares professions par rapport à toutes les autres professions qui ont des comités d'éthique d'auto-évaluation, et là, il n'y en a pas du tout.
C'est quand même toujours d'avant. Je vais donner un élément de réponse, si vous le voulez bien, là-dessus. Moi, ce qui m'a frappé dans cette crise sanitaire, c'est que tout à coup, le fonctionnement des médias a changé. Dans chaque média, grand média, disons, il y a des journalistes, ou au moins un journaliste qui est spécialisé dans les questions médicales. Mais là, vu l'ampleur de la crise, tous les journalistes sont devenus des journalistes médicaux. Ils se sont improvisés journalistes médicaux. Comme tous les médecins se sont improvisés épidémiologistes. Et ça, c'est cette quarantaine de continue. Effectivement, ça pose des questions d'éthique, de répéter, de vouloir maintenir le buzz. C'est ce que je dis. La troisième chose, c'est le système de publication. Le système de publication scientifique est très perturbé actuellement, puisque, comme vous le savez sans doute, la plupart des livres de publication font appel. On appelle des articles, on ne les soumet plus quasiment, ils sont déjà acceptés avant même qu'on les envoie. En tous les cas, pour ceux qui ne sont pas dans les comités de lecture, qui n'ont pas des comités de lecture de haut. Donc là aussi, il y a une course à la vente, à la promotion et à l'argent. La quatrième chose, et là, c'est peut-être là où nous pouvons intervenir, nous tous qui sommes médecins, c'est effectivement sur la méthode à adopter quand il y a un tel doute et un non-savoir. Quand on dit qu'il faut du temps pour démontrer, c'est vrai, mais encore faut-il l'entreprendre. Parce qu'on le paye toujours, et ça a toujours été le cas. Lorsqu'on ne fait pas bien les choses méthodologiquement, on le paye énormément. Et là, en l'occurrence, avec la chloroquine, je veux dire, on le paye encore. C'est-à-dire que si on reprend ce qui a été dit, on peut très bien faire une étude compassionnelle, mais on dit que c'est une étude compassionnelle et que ça ne prouve rien. Parce qu'on sait, quand on est scientifique, qu'il faut simplement faire une étude randomisée. Si on l'avait fait en même temps, mais je savais bien longtemps qu'on aurait eu la réponse que l'on a maintenant, car on sait que la chloroquine, ça ne marche pas. Mais je veux dire, on pouvait très bien démarrer quelque chose de compassionnel, mais le dire, c'est-à-dire se comporter en tant que scientifique. Donc, c'est vrai qu'il y a des doutes, et la référence que faisait Philippe avec le Ebola, on la comprend. Mais dès qu'on peut, et rien n'empêchait de le faire, ni à l'Institut de Marseillais, ni à d'autres, c'était de démarrer d'emblée sur une étude véritablement scientifique qui aurait démontré, plutôt que le démontrent aujourd'hui toutes les études mondiales randomisées, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des convictions. Le problème, c'est donc de revenir, on ne fait pas de la médecine par conviction, ça a été la grande source des grands mandarins qui avaient la conviction d'eux, souvent, et c'était basé sur une expérience, c'est vrai, mais malheureusement, la science montre qu'il faut garder les deux pieds, et c'est peut-être l'éthique, c'est-à-dire d'une part, avancer sur le plan scientifique de façon correcte, et aussi, bien sûr, avoir la sensibilité qui fait des fois dépasser un peu les limites. Est-ce que je peux appuyer ? Je voudrais dire un mot à l'appui de ce que vient de dire René. Il y a eu des protocoles qui ont été lancés au printemps pour faire des essais cliniques avec plusieurs bras, et ces essais ont été interrompus pour en tirer des conclusions hâtives. Au nom de quoi ? Au nom de l'éthique. Donc, il y a des responsables hospitalo-universitaires qui ont pris la responsabilité majeure de suspendre une étude en cours parce qu'il y avait un sujet éthique. Et je crois qu'au nom de l'éthique, il fallait justement laisser l'expérience aller jusqu'à son terme et l'invoquer au nom de la situation de détresse d'un grand nombre de patients, c'est une attitude qui est contraire à l'éthique. Interrompre un protocole en cours, ce n'est pas de l'éthique, c'est absolument orthogonal par rapport aux règles d'éthique. L'éthique voudrait qu'on aille jusqu'au bout du protocole tel qu'elle a été élaboré. Et ceci ne s'est pas passé au printemps. Un mot sur, au fond, dans la course de vitesse qu'on a entre une maladie inconnue et un médicament dont on ne connaît pas véritablement les effets, il y a plusieurs paramètres. Le premier, Philippe le rappelait tout à l'heure, c'est une maladie qui tue très peu. Pardon de dire ça comme ça, mais proportionnellement à d'autres affections, le cancer, le sida au début, etc., 1%, c'est faible. Donc si on voulait savoir, si un médicament diminue la mortalité, il faut une cohorte de malades extrêmement importante sur une durée extrêmement longue. Le deuxième point, c'est que lorsque les angines à streptocoque ont pris les antibiotiques classiques, les bêta-lactamines et la pénicilline en phase 2, il n'y a pas eu besoin de faire une étude randomisée. Parce que
le résultat était tellement probant rapidement qu'il eût été totalement non éthique, si les protocoles d'aujourd'hui existaient, de dire on va faire deux études, une étude avec les gens qui ont le streptocoque et on ne fait rien, et une autre étude sur laquelle on met l'antibiotique. Et là, on se trouve dans une situation qui est complexe, avec un virus dont on ne connaît pas tout à fait les effets, on raisonne par analogie par rapport à d'autres virus, avec une thérapeutique qui, obligatoirement, pour prouver son efficacité, passe pas sur la durée de la fièvre, mais sur la mortalité, ce qui est le vrai problème. Avec 1% de mortalité, il vous faut des cohortes de plusieurs dizaines de milliers de malades de part et d'autre. Et donc, il y a toujours ce débat entre est-ce que je soigne sans savoir avec un médicament hypothétiquement efficace, ou bien est-ce que j'attends d'avoir les résultats dans une maladie qui est faiblement mortelle, mais quand même. Et enfin, le débat, il n'a pas été pour ou contre la chloroquine. Vous l'avez vu dans les médias. On était pour ou contre Raoult. Voilà. Je dirais même que quand on était plutôt de droite, on était pour Raoult. Et quand on était plutôt pro-Macron, on était contre Raoult. Voilà. Alors, il est Marseillais, il est intelligent, il a un look un peu particulier. Et donc, les gens ont jugé sur l'apparence et non pas sur le médicament. C'est l'hystérie de l'émotion qui aveugle complètement la raison. On parle d'un médicament. Moi, on m'a posé cette question un jour. Est-ce que vous êtes pour ou contre Raoult ? Mais je ne vais pas être pour ou contre un scientifique. Je dis simplement qu'il utilise un médicament, il a des arguments, écoutons-le. Et de l'autre côté, l'hystérie a été « j'interdis la chloroquine », médicament qui a été utilisé largement, sans précaution particulière, en disant « oui, mais si on l'utilise à forte dose, ça va faire des arrêts cardiaques ». Philippe le sait, tant que cardiologue comme moi, mais franchement, aux doses où c'était utilisé, on savait très bien que ça n'entraînait pas d'arrêt cardiaque. Donc, on voit bien que l'irrationnel a pris le dessus parce qu'on était face aux médias et dans une situation dans laquelle on raisonnait plus par rapport à des individus que par rapport à des rapports scientifiques. Et je voudrais, Brigitte, ajouter une chose parce qu'on a la chance d'avoir René et Arnold qui publient dans des revues prestigieuse, extraordinaire, c'est que quand Richard Horton, et ça, c'est un sujet que j'aimerais leur poser, parce que où on fait de la recherche fondamentale et on découvre ce que vient de découvrir Arnold dans les études Imagine, là, c'est vraiment du fondamental, du très très haut niveau, ça ne discute pas, à moins que, comme le disait tout à l'heure, évidemment, René, il y a des faussaires, mais ce n'est pas le cas, évidemment. Dans 99% des observations, des publications fondamentales dans ces revues sont vraies. Mais quand Richard Horton dit que pour les essais cliniques, où il y a des laboratoires pharmaceutiques derrière, c'est-à-dire des milliards de dollars, eh bien, là, il dit que la moitié des études scientifiques, Richard Horton, éditeur en chef du Lancet, que la moitié sont fausses parce qu'en fait on ne le voit pas et parce que des gens, des cliniciens comme Jean ou moi, qui sont des gens, je dirais, de bonne volonté, donnent leurs données à des statisticiens, on peut finir par faire tout dire à des statisticiens pour finir par dire à la FDA, écoutez, regardez, ça fonctionne et résultat, j'ai l'accord. Ça, c'est un sujet éthique mondial qu'il faut à tout prix régler dans les 10 ans qui viennent parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Et on l'a vu à l'occasion de ce gros gâteau que tout le monde a vu au fond. Ils ont fait évidemment des erreurs considérables et la justice américaine est en train de savoir qui a payé pour faire une étude comme celle-là, peu importe si c'est pour ou contre hydroxychloroquine, on s'en fout. Mais c'était juste quand même pour essayer, on sait très bien, de mettre en place sur le marché un médicament. Donc si la moitié des études sont biaisées, nous avons peut-être d'autant plus de craintes sur les futurs médicaments, peut-être ce vaccin aussi qui est annoncé. C'est aussi un problème d'éthique dont il faut parler.
Est-ce que, alors je posais une question tout à l'heure, est-ce que dans cette situation de crise internationale et exceptionnelle, les laboratoires ne pouvaient pas travailler ensemble? Donc là, Pfizer annonce de premiers résultats, mais on sait que AstraZeneca, un autre laboratoire aussi, ont des vaccins qui sont proches de résultats. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous ne pouvez pas... Toute l'industrie ne pouvait pas travailler de concert sur ce vaccin, où il fallait justement qu'il y ait plusieurs industriels séparément qui travaillent sur des produits différents. Brigitte, moi je voudrais vous dire que, pas dans le cas particulier, mais en général, les progrès scientifiques viennent de la compétition. Donc il faut quand même un certain degré de collaboration et un degré certain de compétition pour avancer. Par conséquent, la concurrence, que ce soit ce sujet-là, ou n'importe quel sujet des sciences, n'est pas une mauvaise chose. Alors, est-ce que dans les circonstances présentes, il y avait lieu de se mettre ensemble pour lutter et pour aller plus vite? Je ne sais pas, mais d'une manière générale, l'histoire des sciences, c'est que la compétition n'est pas toujours un mal. D'autre part, on peut dire aussi que ce n'est pas que Pfizer, c'est Pfizer et un labo allemand qui, en plus, a été poussé par deux originaires de Turquie. Donc, ça ouvre déjà un peu plus la chose. Et puis, les différents vaccins, de ce que je sais, et là, je dirais que je ne sais pas tout, c'est que, je le dis au moins, c'est que les méthodes de préparation sont très différentes. Ce que fait Sanofi aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que fait AstraZeneca. Donc, je veux dire, il faut aussi laisser, parce que le premier, c'est très bien, le plus efficace, on verra. Donc, la multiplication, par contre, des approches peut être effectivement très bénéfique. Parce que ça peut répondre à une situation, mais pas forcément à toutes les situations. Donc, mais déjà, les collaborations, vous avez remarqué, Fanny, elles se font souvent deux à deux. Ce n'est pas un laboratoire, c'est plusieurs laboratoires. Et plus les petites startups dont on ne parle jamais, mais qui sont derrière. Est-ce que l'annonce de l'efficacité de ce vaccin, donc qui serait efficace à 90%, vous paraît prématurée? Toutes les études ne sont pas sorties encore, les publications officielles ne sont pas là. J'ai eu accès à l'étude et j'ai regardé quand même de très près. Parmi les 20 000 personnes vaccinées, il y en a 1862 qui sont vaccinées depuis 2 mois, mais 17 000 qui ne sont vaccinés que depuis 1 mois. Et donc, évidemment, qu'un vaccin protège le premier mois ou les 2 premiers mois, c'est quand même la moindre des choses. Donc, la vraie question est de savoir, en effet, s'ils ont publié très rapidement, là, même si Pfizer est un laboratoire extrêmement sérieux, mais ils ont publié très rapidement parce qu'ils voyaient que la protection commençait à baisser vraiment. Les élections américaines. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais c'est assez étonnant. En tout cas, ça ne veut rien dire parce que malheureusement, nous avons eu dans le passé des cas de vaccins qui protégeaient malheureusement pendant une période assez courte. Et malheureusement, la réinfection, malheureusement, on sait que le coronavirus, même si c'est rare, peut se réinfecter. Eh bien, dans ces cas-là, la maladie, la deuxième fois, était beaucoup plus grave que la première. C'est pour ça que Sanofi, par exemple, a arrêté le vaccin contre la dengue il y a 4-5 ans aux Philippines, parce que c'était un vaccin qui fonctionnait, mais un moment, et ensuite, la réinfection était beaucoup plus grave. Et donc, il faut attendre un petit peu. Et puis en plus la deuxième question, c'est l'efficacité. C'est quoi l'efficacité? Est-ce que c'est les signes, la fièvre, la toux, la douleur, l'odorat qui reviennent ou qui disparaissent, ou est-ce que c'est l'infection? Parce que si c'est pas l'infection, ça veut dire que vous pouvez avoir moins de signes, vous êtes toujours contagieux. Donc l'éthique voudrait que les laboratoires attendent quand même un certain temps, qu'ils aient un certain recul avant de nous donner des résultats. Bien sûr. Non, mais on peut très bien donner les résultats avec les précautions que vient de dire. Avec les précautions oratoires. C'est-à-dire, c'est des résultats avec 2 mois de recul, avec 1 mois de recul. Ça, c'est la réalité, c'est pas peine de tourner autour. Oui, mais en disant bien qu'on ne sait pas ce qui viendra dans 6 mois. Très bien. Est-ce que ces vaccins
Donc, il y a des patients qui testent, des milliers de patients qui testent ces vaccins. Est-ce qu'ils sont bien informés, selon vous? Est-ce que l'éthique intervient suffisamment dans ces expérimentations, dans la communication aussi de ces expérimentations? Je ne sais pas comment mieux répondre. Non, je ne sais pas. Moi, j'ai été étonnée, par exemple, de voir sur une chaîne de télévision un patient qui avait testé un des vaccins s'exprimer. Je veux dire, ce n'est pas des choses qu'on voit habituellement. Je veux dire, les essais se font, je ne dis pas dans le secret, mais en tous les cas, dans une certaine confidentialité. Et puis, normalement, on attend les résultats, mais c'est rare d'interviewer, je dirais, entre guillemets, des cobayes. Ça fait encore du buzz des chaînes de télévision. Si toutes les semaines, on interviewe le cobaye. Mais vous me faites penser à... Vous savez, l'éthique sur cette question-là me fait penser quand même à Pasteur, le grand Pasteur, qui écrit à l'empereur du Brésil pour lui demander s'il peut tester ses vaccins sur les condamnés à mort. Donc, c'est pour dire que je crois qu'on a bien évolué quand même, même si tout n'est pas parfait, on a quand même bien évolué sur le consentement normalement des gens qui sont en cours volontaires pour des vaccins. C'est des volontaires. Comment avez-vous vu les uns et les autres cette enquête surprenante publiée hier qui montre que 70% des Français ne se feraient pas vacciner si ça leur était proposé? Pour ça, terriblement grave. Terriblement grave. Et personnellement, moi, par exemple, il m'est arrivé personnellement une chose incroyable, c'est que quand j'étais ministre de la Santé, on déclare que l'OMS, je reçois une lettre de l'OMS disant il faut vacciner contre l'hépatite B, parce qu'enfin, c'est un Français d'ailleurs qui avait inventé ça, et je l'ai fait. Et puis, j'ai vu 3 ans après, à la une d'un journal, qui s'appelle Le Parisien, à la une, je n'étais plus ministre, c'est Bernard Kouchner qui m'avait remplacé, et la une était... Vaccin contre l'hépatite B, 2 points, sclérose en plaques, point d'interrogation. Ouais. Et nous sommes aujourd'hui le pays au monde où les mamans vaccinent le moins leurs enfants d'hépatite B, ce qui veut dire qu'il y aura des cancers du foie ou des cirrhoses un jour. Personne ne se posera la question des médias là-dessus. Personne. Il n'y aura jamais une question qui sera posée à la responsabilité médiatique sur ça. Et d'ailleurs, Madame Buzyn a été extrêmement courageuse, je trouve, au début de son mandat, parce qu'elle a carrément dit qu'il y avait des vaccins obligatoires, elle a même ajouté quelques-uns, et elle a eu le courage de dire que si jamais ils ne le faisaient pas, eh bien, les enfants ne pourraient pas aller à l'école, les parents auraient des amendes, et je trouve ça très bien, parce que l'anti-vaccin, je trouve ça fou. Alors, est-ce qu'il faudra prendre des mesures pour rendre ce vaccin obligatoire? Est-ce que c'est éthique de rendre un vaccin obligatoire qui évidemment, on montre son efficacité? Chez les enfants, les vaccins sont obligatoires. Déjà, il y a un certain nombre de vaccins obligatoires. Oui, je pense que c'est adulte, sur l'ensemble de la population. C'est assez curieux, finalement, sur le plan éthique. Celui qui ne peut pas donner son avis parce que c'est un enfant, on lui impose une stratégie thérapeutique. Et celui qui est un adulte, on lui laisse effectivement la liberté d'échapper à cet intérêt général. Parce que le vaccin, c'est bien sûr un vaccin pour soi-même, mais c'est un vaccin qui crée une barrière immunitaire contre l'évolution de la maladie. Et quand vous pensez que vous avez une grande partie des soignants qui refusent, il y a peu de temps encore, de se faire vacciner de la grippe, alors qu'on sait que la grippe, elle tue chaque année un certain nombre de personnes fragiles, et en particulier des vieillards. Moi, il me semble qu'il serait logique, lorsque l'aide-soignant, une infirmière, un médecin, est en contact avec beaucoup de malades, et des malades forcément qui sont fragiles, et en particulier malades âgés, il me paraît logique qu'il se vaccine. Or, ce n'est pas le cas. On a cette spécificité qu'évoque Philippe de réticence au progrès dans notre pays. C'est une rançon de la liberté et de l'individualisme. Le problème, c'est quand les médias pèsent aussi lourd que la parole des professionnels, et même plus lourd que la parole des professionnels, au point d'assourdir la parole des savants. Je crois que
les médias, enfin, surtout les réseaux sociaux qui colportent oui, la parole des antivax. Les antivax n'ont pas tellement, enfin, ceux qui sont contre la vaccination n'ont pas tellement la parole dans les médias nationaux. Vous n'avez pas l'impression que ce sont sur les réseaux sociaux oui, qui oui, font oui, le plus oui, de dégâts. C'est vrai. Oui, oui, oui. Enfin, je vous conseille de regarder à l'INA l'émission que Élise Lucet, qui n'est pas dans les réseaux sociaux, Élise Lucet, c'est 3, 4, 5 millions de personnes qui regardent, et qui avait en face d'elle, Jacques Drucker, qui était à l'époque patron de l'Institut national de la veille sanitaire, qui l'avait mis au pilori sur la vaccination contre l'hépatite B, en le montrant comme un criminel, en gros, devant tous les Français, alors que toutes les études épidémiologiques du monde entier ont montré qu'évidemment, il n'y avait aucune relation entre le vaccin contre l'hépatite B et sclérose en plaques. Donc, il faut faire quand même très attention dans votre métier. Excusez-nous, on n'est pas en train de vous faire un procès, madame, mais simplement, il faut... Avec Élise Lucet et avec ses méthodes de cow-boy. Voilà. Merci. Merci pour cette première partie dont on a consacré à la crise sanitaire. J'aimerais maintenant qu'on aborde la deuxième partie de cette conférence inaugurale qui va s'attacher à mettre en valeur les problématiques d'éthique qui vous concernent au quotidien dans vos métiers. Philippe d'Ousteblasi, vous, en tant qu'homme politique, en tant que médecin, vous tentez d'attirer l'attention sur une problématique d'éthique qui est très importante, méconnue malheureusement du grand public, c'est la malnutrition chronique. Alors, c'est une maladie, on croit la connaître parce qu'on la confond avec la famine, mais en fait, on ne connaît pas cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous parler des problèmes d'éthique qui sont derrière et qui sont fondamentaux? Oui, de manière très brève, en fait, il s'agit de la maladie la plus fréquente au monde et même temps la moins connue. Et donc, personne ne s'en occupe, au fond. C'est une maladie qui touche les femmes enceintes très pauvres, qui gagnent moins de 1 dollar par jour. Et donc, quand on gagne moins de 1 dollar par jour, il y a quatre choses qu'on ne mange pas. Légumes, fruits, viande et poissons. Et donc, lorsque vous êtes enceinte et que vous ne mangez pas ni de vitamine B ni de protéines, votre grossesse se passe bien, les deux premières années de l'enfant se passent bien, mais à l'âge de 3 ans, c'est-à-dire 1000 jours, en fait, 9 mois de gestation et 2 ans de vie, ça fait 1000 jours, eh bien, vous avez des malformations, et parmi ces malformations, il y a 30% de connexion entre les neurones qui ne fonctionnent pas, donc c'est 30% de QI en moins, et c'est aujourd'hui 40% des enfants en Afrique subsaharienne et 40% des enfants en Asie du Sud-Est et en Inde. Et quand on sait que dans 20 ans ou dans 30 ans, 70% de l'humanité naîtra là, vous vous rendez compte de la menace existentielle que ça représente. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait beaucoup de politique pendant 20 ans. Et évidemment, quand vous faites de la politique, et Jean le sait, vous avez tellement de problèmes tous les jours qui vous sont posés que pour une fois qu'il y en a un qui ne vous est pas posé, vous ne le réglez pas. Et là, personne ne vous en parle. Parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas il y a encore 10 ans. Donc, tout le monde parle du sida, de la tuberculose, du paludisme, du Covid, n'en parlons pas, parce qu'on ne parle que de ça. Mais c'est une maladie extrêmement grave, évidemment, et surtout sur le plan éthique, parce que ce sont des enfants que l'on considère comme paresseux, alors qu'ils sont malades. Voilà. Donc j'ai créé un fonds à l'ONU là-dessus. Alors, comment arriver à apporter à ces femmes enceintes, parce que tout se joue au moment de la vie in utero, au fond, et dans les deux premières années de vie aussi, oui. Comment apporter à ces femmes enceintes des solutions pour que leurs enfants ne perdent pas ces points de QI, finalement, oui. Pas ces connexions cérébrales. Alors d'abord, dès que l'enfant a 3 ans, c'est définitif, donc c'est terminé. Donc il faut agir avant, soit pendant la grossesse, soit pendant la première année de vie du nourrisson. Et donc, c'est soit apporter carrément des petits sachets qui valent 30 dollars par malade et par an. Mais ça, ce n'est pas très intéressant. Non, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que nous travaillons beaucoup avec les femmes, par exemple en Afrique, qui représentent 75% de la main-d'œuvre agricole du pays. Et on leur apprend à planter des graines qui sont justement riches en légumes, pour les légumes, les fruits et en vitamine B, et surtout résilientes au changement climatique. Parce que malheureusement, le changement climatique va faire en sorte que ces chiffres que je vous ai donnés, qui sont effrayants,
vont encore augmenter de 20 à 30%. Donc, c'est un grand travail que nous faisons avec ONU Femmes et avec également le Programme alimentaire mondial qui vient d'avoir le prix Nobel de la paix, mais aussi avec des pays comme la France, le président Macron a accepté d'être au conseil d'administration, mais aussi le président du Rwanda, du Sénégal. Et nous travaillons actuellement pour avoir de l'argent avec, mais je ne vais pas parler trop longtemps de ça parce qu'il y a tous mes collègues qui vont parler, mais nous essayons de demander des micro-contributions volontaires aux consommateurs qui achètent par e-commerce. Donc nous sommes en grande discussion actuellement avec Alibaba, avec Amazon et d'autres, pour que chaque fois qu'un consommateur achète, on lui demande s'il donne 3 centimes ou 4 centimes pour cette cause onusienne, car notre fonds est à New York, à l'ONU. Mais je pense que si cette cause est comprise et connue, nous n'hésiterons pas à donner 3 centimes lors de nos prochains achats. Mais il faut la faire connaître. Je passe un petit peu en revue vos problématiques. Professeur Arnaud Munich, vous, dans le domaine médical, on en a discuté, il y a une injustice dont vous souhaitez parler et vous souhaitez combattre. À propos des progrès qui sont faits, des avancées scientifiques et de leur prix, hein, les médicaments innovants qui sont très chers. Est-ce que ces progrès sont des progrès pour quelques privilégiés? Ça soulève un certain nombre d'éthiques. Comment déjà présenter cette problématique qui concerne un grand nombre de maladies, hein, pas simplement votre domaine, la thérapie génique, mais beaucoup d'autres maladies? Oui, merci. Je veux dire que, en m'exprimant après Philippe, je voudrais d'abord saluer son action, qui est une action tellement plus importante que toutes les autres. Et c'est une action dans la durée, c'est un engagement de Philippe sur des années et des années avec une obstination, une détermination que nous tous nous saluons et nous sommes avec lui. Donc, je suis un petit peu gêné quand on parle de malnutrition de vous répondre sur la question du progrès médical. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression d'aller presque du tout au rien, mais absolument, absolument. Mais abordons quand même les sujets. Oui, mais quand même, commençons par dire tout de suite, le vrai progrès, c'est le partage du progrès. Exactement. Et donc, le progrès pour quelques-uns, est-ce que j'ose à peine en parler du progrès pour quelques-uns, après ce que vient de dire Philippe. Alors, je passe mon tour. Non, ça, il ne faut pas. Il ne faut pas parce que, justement, c'est à partir de ce que tu fais, c'est à partir de ce que tu fais que l'on va ensuite, évidemment, élargir. Donc, vas-y, je t'en supplie. Bon, en deux mots, ce qui me frappe de ma fenêtre, si vous voulez, c'est que le progrès médical diffuse très, très mal. L'accès aux innovations diffuse très mal. Même dans un pays développé, il y a une perte de chance individuelle et un gouffre financier collectif qui n'est pas en train de se réduire, il est en train de se majorer. Il y a de moins en moins de professionnels de santé en général, de moins en moins de personnes de santé qualifiées, de moins en moins de centres capables d'accueillir ces familles ou ces malades. Les délais d'attente dans le service public sont considérables. Enfin, quand une maman téléphone pour son enfant épileptique qui est en pleine crise, qu'on lui donne rendez-vous dans 20 mois, voilà le genre d'obscénité du quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de recours à des professionnels et au progrès est paralysé, pour toutes les raisons que vous savez. Et le Covid par-dessus n'est pas la cause, mais qui est un révélateur d'une dégradation lente du système de santé. Donc aujourd'hui, ce qui me fend le cœur, effectivement, c'est que le progrès, qu'il soit diagnostique ou thérapeutique, est l'apanage de quelques-uns. Et au fond, ça rejoint le point de Philippe. C'est-à-dire, encore une fois, à quoi bon faire des choses extraordinaires si ça concerne un tout petit nombre de gens? Et là, je voudrais saluer, Philippe, une de tes amies, qui est Marina Cavazzana, une amie de René, qui a pour obsession, de faire en sorte que la thérapie génique de la drépanocytose soit généralisée pour le plus grand nombre, parce que ce sont des millions d'enfants qui meurent, en particulier de la drépanocytose, avec toutes les liens que vous connaissez avec le paludisme. Par conséquent, aujourd'hui, l'éthique de l'innovation, c'est le partage de cette innovation. Les prouesses technologiques, les prouesses scientifiques
ne valent que si on fait en sorte de les offrir au plus grand nombre, ça veut dire dans le territoire national un accès plus facile et plus rapide aux experts et aux progrès, et le partage nord-sud avec les pays émergents, car la France ne pourra pas jamais se substituer aux besoins sanitaires du reste de la planète. Donc c'est le sujet de la formation, la diffusion des savoirs, du partage des savoirs par l'accueil ou la formation sur place d'un plus grand nombre d'étudiants. Merci Arnold. Je vais donner la parole maintenant à René Friedman. Il y en a aussi dans votre domaine des prouesses, des avancées en procréation médicalement assistée. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut tout faire en procréation médicalement assistée? On a vu la GPA, gestation pour autrui, le don d'embryon, plus récemment le don d'utérus. Quelles sont les limites éthiques à ne pas dépasser? Tout d'abord, merci de cette question, mais tout d'abord pour reprendre les interventions précédentes, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le partage des innovations, mais je voudrais aussi insister sur la santé publique et la prévention. Parce que finalement, l'acte médical, il n'est pas que la prouesse entre guillemets technique, justement, il est la vision globale de ce que l'on souhaite traiter et donc de pouvoir développer tous les systèmes de prévention. Par exemple, puisque vous évoquez ce problème sur l'infertilité, eh bien, je dirais, on est tout à fait en retard par rapport à la prévention qui pourrait influencer sur la baisse de la fertilité. Déjà, qui dit prévention dit information. Et aujourd'hui, on n'informe pas les jeunes femmes à partir de 33 à 35 ans qu'elles ont une baisse de la fertilité qui va être redoutable dans quelques temps. Alors qu'on informe sur les frottis, sur la nécessité de dépister le cancer du côlon et d'autres choses comme ça. Donc là, on n'a pas pris en main. Par exemple, l'assurance sociale pourrait très bien envoyer systématiquement à tout le monde une information autour de la fertilité, non pas pour inciter à faire des enfants au moment où ça serait, mais ça peut être qu'au moment où c'est optimum pour les gens, mais déjà de donner cette information de la baisse de la fertilité avec l'âge et de pouvoir connaître sa réserve ovarienne. Ça serait une action, à mon avis, encore plus pertinente que la greffe d'utérus qui a été réalisée, qui est sans doute quelque chose d'intéressant et de répondre à certaines demandes, mais elle ne touche là, par contre, elle ne va toucher que quelques-uns, même si c'est intéressant, encore une fois, mais par contre, il faut avoir une vision plus de santé publique. Alors, je ne voudrais pas réintroduire ce que demandait l'Académie de médecine il y a déjà un certain nombre d'années, c'est la consultation préconceptionnelle voilà. pour les femmes voilà. En âge de procréer. Tout simplement, voilà. Ça a été demandé il y a longtemps, mais ce n'est jamais rentré dans les faits. Déjà, si on reprenait tout ce courant, on pourrait dire, faisons bien les informations à nos enfants dans les écoles, parce que ce n'est pas fait, sur la sexualité, sur le respect de l'autre, et sur tout ce qui va en découler ultérieurement sur la reproduction. Enfin, on parle en fonction de l'âge, hein. Les gens sont préoccupés ou pas, bien sûr, mais on s'adapte. Mais au moins une information de ce côté, une information pour la personne adulte de savoir sur le projet d'enfant, puisque les femmes viennent de plus en plus tard à ce projet d'enfant, eh bien, il faut informer de cette horloge biologique et les difficultés que ça peut présenter. Pour répondre quand même à votre question, qui est pertinente, bien sûr, qui est celle de savoir si nous avons des limites sur ce que l'on peut proposer, ça, c'est un débat qui touche le monde entier, mais différemment. Il y a ceux qui peuvent tout faire, et surtout aidés par une commercialisation du corps, je veux dire, de façon outrancière. Donc, du coup, il n'y a plus aucune limite, tout est faisable. Californie, pour ne penser à elle, quoi qu'elle ait voté, hein, je veux dire, elle est quand même un pays où tout est possible. Ce n'est pas le cas en France, où nous avons depuis, pour la quatrième fois, une loi de bioéthique à laquelle les ministres ici présents ont participé d'une façon ou d'une autre, et je pense que c'est une bonne chose. Encore faut-il effectivement redéfinir quelles limites. Alors, personnellement, j'essaye toujours de me poser la question du pourquoi, pourquoi faire, non pas des acrobaties techniques, des échanges sur le plan des filiations ou de faire porter, de greffer un utérus chez un homme et de le faire porter. Enfin, beaucoup de choses sont possibles. La question, elle est pourquoi le faire,
Et surtout, dans cette démarche, est-ce que cela a des conséquences délétères? Qui peut souffrir ou qui peut être utilisé ou qui peut être abaissé parce qu'on va l'utiliser dans le désir d'autrui ou même dans son propre désir, des fois? Et c'est là que c'est cette ligne rouge. Donc, respecter l'individu au sens de vraiment de tout faire pour qu'il n'y ait pas de commercialisation du corps, ne jamais considérer l'aliénation, enfin toujours considérer l'aliénation ou l'utilisation de quelqu'un pour un autre comme quelque chose à bannir, ce sont les règles qu'il faut, je crois, porter, surtout dans tous ces acteurs, que ce soit des futurs parents extensifs, que ce soit des donneurs, des donneuses de gamètes, d'embryons, d'organes, que ce soit les enfants, il faut toujours porter la question, est-ce que cela est délétère pour un tel ou un tel, tous ses participants? Ne pas toujours regarder celui qui serait susceptible de bénéficier. C'est comme si vous regardiez les grands propriétaires terriens au moment de l'esclavage. Évidemment, ils n'étaient pas pour. Merci d'avoir rappelé ces limites éthiques. Je m'adresse maintenant à Jean Leonetti, aussi très impliqué dans les questions d'éthique. Vous êtes à l'origine de la loi sur la fin de vie. Vous avez milité pour la sédation profonde et pas l'euthanasie. Finalement, quelle est la limite éthique entre ces deux concepts et cette limite que vous n'avez peut-être pas voulu franchir? La limite, elle est assez claire pourtant, même si... au fond, dormir et mourir, ce sont deux choses où dans l'esprit, l'inconscience collective, et il y a une porosité. Hein. Si vous regardez l'origine grecque, Thanatos, c'est la mort, et Hypnos, c'est le sommeil. Et dans la mythologie grecque, ils sont tous les deux issus de la même mère qui est la nuit. Donc, ça veut bien dire qu'il est toujours difficile d'expliquer. On veut faire dormir pour ne pas souffrir, mais on ne veut pas faire mourir. Pourquoi? Parce que donner la mort à l'autre, des religions monothéistes, mais surtout la vision humaine, par exemple Lévinas qui dit dans le visage de l'autre, je vois que je ne peux pas, j'ai interdiction de le tuer, on est bien au-delà de la croyance, et qu'on soit croyant ou non croyant, je partage l'idée d'Axel Kahn, de Badinter, qui disent dans une démocratie, on ne donne pas la mort. Alors après, est-ce que pour autant on n'a pas un devoir vis-à-vis du mourant, alors que la mort est tabou dans notre société? Donc peut-être parce que la médecine est performante d'ailleurs. Et donc on peut lui dire, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir et je ne te prolongerai pas de manière anormale. Et au fond, ces trois engagements sont des engagements complexes. Je ne t'abandonnerai pas, ça veut dire je ne me désintéresserai pas de toi parce que tu n'es pas en pleine vie. Regardez comme dans le Covid, par exemple, on a oublié de mettre les morts en EHPAD dans la statistique pendant toute une période, comme si ces personnes-là avaient perdu une partie de leur vie déjà et qu'on ne les comptabilisait pas. Le deuxième élément, c'est « je ne te laisserai pas souffrir ». Et ça, c'est peut-être justement la question que vous posez. Pourquoi faire dormir? Eh bien, lorsqu'on n'a pas de moyen de soulager la souffrance et qu'elle est insupportable et que la mort est proche, eh bien, on doit la soulager, même si ça peut raccourcir la vie. Parce que la qualité de vie en fin de vie domine la durée de la vie. Et donc, on fait dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Mais c'est une loi, enfin, c'est une règle qui s'applique pour faire en sorte que, au fond, on n'est pas le regret de dire je l'ai laissé souffrir avant de mourir, parce que le deuil devient impossible et la souffrance de la personne qui va mourir est devenue aussi devient aussi intolérable. Et puis je te prolongerai pas de manière anormale, ce qu'on appelle habituellement l'acharnement thérapeutique. Très difficile à dire ce que c'est. Il y a un moment où on se bat, où on s'acharne pour sauver une vie, et puis ensuite quelquefois on se dit, Est-ce que j'ai bien fait d'aller au bout de cette démarche scientifique, technique, alors que je vois le résultat avec une souffrance et un handicap extrême et majeur? Et ça se pose surtout à la naissance, en pédiatrie. Et pour reprendre ce que disait René Friedman tout à l'heure,
Au fond, toute la question. Je vais donner la parole à Philippe Douste-Blazy pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de notre session. Ah ben, juste ça. Bon, tout ce qui est techniquement possible n'est pas humainement souhaitable. Et c'est la vraie question éthique qui se pose à nous tous. Merci. J'aurais encore beaucoup de questions à vous poser à tous les quatre, mais nous devons conclure. Et je donne la parole à notre modérateur pour, eh bien, écoutez, pour nous dire ce que vous avez retenu, ce que vous avez envie de souligner par rapport à cette session d'ouverture du Forum d'éthique de Jérusalem. Oui, ça me gêne beaucoup d'avoir à faire ça. Quand je vois le niveau des gens, des trois collègues qui sont ici. Donc, juste une chose, c'est de dire que tous les quatre, nous avons au fond dit que le temps de la science n'est pas le temps des médias. Et que ça, c'est extrêmement important et c'est peut-être une chose fondamentale qu'il ne faudra pas oublier pour les futures crises sanitaires, qu'elles soient dues à une maladie infectieuse ou autre. La deuxième chose, c'est que de ce qu'a dit Arnold, il y a quelque chose de fondamental sur le partage des progrès thérapeutiques. Je trouve extraordinaire qu'un homme comme lui, justement, ait cette réflexion-là. Parce que la prouesse thérapeutique, bon, il l'a fait, ses équipes les font, ses équipes aussi, ses élèves le feront. La question, c'est comment on les partage. Et là, c'est le vrai problème, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais c'est comment on peut allier capitalisme et médecine. Dieu sait si je ne suis... Personne ne me connaît comme étant quelqu'un de gauche ou d'extrême gauche. Mais là, il y a un sujet. Parce que dès l'instant où vous mettez l'argent dans un système, ben, il y a celui, par exemple, dès l'instant où on a un nouveau médicament, donc le plus efficace et donc le plus cher, ben, il n'y a qu'un quart de l'humanité qui peut s'en servir. Et donc, moi, j'ai fait partie de... J'ai créé, avec d'autres, grâce d'ailleurs au président Obama, la première communauté de brevets au monde sur sida, tuberculose, paludisme, hépatite. Tant qu'il n'y aura pas de communauté de brevets, c'est une honte et c'est un crime d'ailleurs même contre l'humanité d'avoir un médicament, de ne pas pouvoir le donner à quelqu'un parce qu'il est trop pauvre. René a parlé de deux choses extrêmement importantes. C'est la santé publique, c'est-à-dire pas du tout la médecine curative individuelle. Je suis malade, j'ai un médecin. Non, c'est une politique de santé, comment je préviens une population. Et donc, il est évident que le prix d'une grève d'utérus est 1000 fois plus importante qu'une campagne de 3 minutes par jour pendant 1 an à la télévision française publique sur la lutte contre l'infertilité des jeunes femmes. Ça s'appelle l'éducation pour la santé. Eh bien, j'ai été ministre de la Santé 2 fois, je ne suis pas arrivé à obliger les chaînes de télévision à faire cela. Ça me rappelle un chef d'État africain qui me demandait comment on pouvait faire un grand CHU chez lui. Je lui dis, avec un étage du CHU, vous pouvez surtout éviter qu'il y ait 5 à 10 000 morts par an d'enfants qui meurent de diarrhée, parce que avec cet argent d'un étage sur les 12, vous pouvez éviter 10 ou 15 000 morts. Donc la santé publique, c'est majeur. Sur les limites, et c'est très intéressant ce qu'il a dit, parce qu'au fond, nous sommes le premier pays au monde, la France, à avoir fait une loi de bioéthique. C'est la première fois qu'un parlement au monde parle de loi de bioéthique. Nous le devons à Madame Simone Veil, et j'ai eu un grand honneur de travailler à ses côtés, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et je voudrais dire ici à René, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais c'est la relation entre le sachant et le politique. Un jour, René m'a téléphoné, c'était la deuxième fois qu'on regardait les lois de bioéthique et j'allais interdire la recherche sur les embryons. Je l'ai au téléphone, mais je le connaissais mal, je le connaissais comme tous les Français, mais je le connaissais mal. Il m'a expliqué que le respect de l'individu, la non-commercialisation, mais par contre, ne pas freiner la recherche qui serait source de futurs thérapeutiques. Et il m'a donné une leçon ce jour-là et grâce à lui, j'ai changé cette loi. Donc, le rapport sachant politique est très important. Ce n'est pas Jean Leonetti que je vais l'apprendre, puisque c'est lui qui a porté, durant ces dernières années, toutes ces lois de bioéthique. La différence entre dormir et mourir, disait Jean à l'instant, avec le devoir de défendre la démocratie en ne tuant pas quelqu'un, le devoir de ne pas abandonner l'autre, le devoir de ne pas laisser souffrir l'autre, et le devoir de ne pas s'acharner. Je terminerai en disant qu'on aurait plein de grands sujets
et j'espère qu'au prochain forum de Jérusalem qui sera lu en présentiel les 11 et 12 novembre 2021 prochains, nous pourrons en parler, mais les big data en santé, toutes ces big data, toutes ces données, tout ce numérique qui appartiennent maintenant à des sociétés privées, est-ce que, j'espère, qu'elles n'iront jamais chez l'entrepreneur, elles n'iront jamais chez l'assureur, elles n'iront jamais chez le banquier, et ça, c'est des grands sujets qu'il faudra aborder l'année prochaine. Et pour revenir au Covid, c'est vrai que aussi nous avons vécu sur le plan éthique des problèmes dramatiques. Un fils, une fille n'a pas pu accompagner son père ou sa mère alors qu'ils étaient mourants parce que c'était interdit. Et ça, c'est un très grand sujet dont il faudra parler aussi. Merci à vous trois. C'était un honneur pour moi de parler avec vous. Merci, madame, d'avoir animé aussi brillamment. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci, Philippe. Merci à vous. Merci à tous.